L'heure des spéculations a sonné du côté de l'Algérie sur le nom du futur sélectionneur des Fenech, depuis l'officialisation de la démission de Milovan Rajevac. Après un bref passage ponctué par une victoire et un match nul, le technicien serbe cède sa place après qu'une partie de joueurs cadres de l'équipe d'Algérie ont manifesté leur envie de ne plus continuer avec l'ancien sélectionneur du Ghana. Le président de la fédération algérienne Mohamed Rawawa repart à la recherche d'un sélectionneur qui sera capable cette fois de résister à la pression médiatique et imposer une discipline au sein d'effectif des Fenech. Un profil avec une expérience aux Coupes du Monde et idéalement une connaissance de l'Afrique. Parmi les noms cités, on retrouve celui de Roland Courbis qui a entraîné en Algérie par le passé, mais aussi les noms de Marc Wilmots, Rudy Garcia et Laurent Blanc. Sauf que pour ces trois derniers, leur salaire pourrait se révéler un vrai handicap. En attendant, Neguiz et Mansouri vont assurer l'intérim lors de la rencontre cruciale face au Nigeria au mois de novembre prochain, sous les yeux du nouveau sélectionneur en tant qu'observateur.